Bah, Christine Pélican, fondatrice de la compagnie Taver en Tongue. Ça me fait bizarre, fondatrice. Et je suis la directrice et le metteur en scène des spectacles d'enfants. Installée donc à la fois à Belleville et à Mantes-la-Jolie. Ouais, les deux. Le QG, c'est Belleville, parce qu'on est pratiquement tous issus de Belleville ou habitants de Belleville. Il y a 3 ans d'initiation, 1 an de création, donc là où ils bossent comme des fous. Ils se retrouvent des fois 4 fois par semaine, soit le mardi, le mercredi, le samedi, le dimanche. Et puis on joue la première et après il y a 3 ans de tournée. Là, sur Belleville, ils ont eu 2 ans de tournée avec Zorro, eux ça va faire 3 ans. Vous avez participé à quelque chose, ça vous fait vraiment plaisir. Regardez-moi, chaque fois dans les yeux avec Zorro. Oh, Zorro, oh, ton retour. Mon frère Zorro, qui l'a cru? Madre de Dios, sale homme. Et c'est pas ce chutre que l'a creusé. Mon père, avant de mourir, m'avait révélé son existence en me faisant jurer de ne l'utiliser qu'en cas de danger. Ce passage secret relie la cellule de la prison, cette pièce et la montagne. Regarde, regarde. C'est les partenaires qui repèrent des gamins qui ont des difficultés sociales, familiales, scolaires. Des gamins qui font rien, qui n'ont pas spécialement des choses qui sont pas forcément en difficulté, mais qui ont envie. Qui ont envie de faire du théâtre, qui ont envie de faire Ta mère en tongue, voilà. Des petits frères, des petites sœurs, donc c'est... On ne dit pas, ben, lui on va l'inscrire parce que c'est un bon acteur. Donc, on part du principe que tous les gamins sont excellents. C'est pas parce que vous êtes noir que vous êtes les meilleurs, c'est pas parce que vous êtes arabe que vous êtes les meilleurs, c'est pas parce que vous êtes blanc que vous êtes les meilleurs, c'est parce que vous êtes de toutes les couleurs que vous êtes les meilleurs. C'est votre différence, c'est ce métissage qui est extraordinaire. Et c'est pas ce secret que l'a creusé. C'est bien, c'est bien. C'est mieux. Sauf que tu fais tes hauts, tu arrêtes pas, tu fais oh. Alors c'est sûr que t'es là comme ça, tu te trompes pas parce que tu fais oh. Et c'est oh, j'ai peur. Oh, il y a quelqu'un derrière moi. Oh, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Zorro. Oh, d'accord. En plus maintenant on est très structuré, organisé. Il y a une discipline martiale. Tout ça on l'a trouvé avec le temps. On n'a pas dit du jour au lendemain, on va faire du théâtre de cette façon, dans les quartiers. Le dernier en date, c'est Zorro El Zapato. Et ben c'est là le justicier masqué qu'on connaît tous, l'épée, Tornado, et c'est la réalité de la lutte pacifique des Indiens du Chiapas. Et en découvrant le combat des Zapatistes, Marcos, tout ça, on s'est dit mais voilà, c'est eux nos porte-paroles. Des mecs qui ont un discours, on se reconnaît complètement dedans. Du monde, cher capitaine Ramon. Nous sommes en vacances.
sommes épuisés par le voyage. Nous allons rentrer chez nous. N'est-ce pas, Tequila? Bon, la première, 2 euros, c'est 99. 2 ans après, on a la lettre d'invitation du sous-commandant Marcos. Alors ça, c'était l'enclume sur la tête. On tenait le truc comme... C'est pas possible, quoi. Il nous invite, il dit petits frères, petites sœurs, frères et sœurs de Zorel Zapato, on a eu vos photos, on a eu le CD, on sait que vous parlez de nous. On dit, mais comment on va remplir 5700 places? Il y avait 3000 personnes qui attendaient tous les soirs dehors, qui faisaient des manifs. Et ce qui était très touchant, c'est que ce public, c'était un public de quartier. C'était pas les cultureux, c'était pas des enfants, c'était les quartiers qui s'étaient déplacés, c'était des mémés, c'était, il y avait de tout. La rencontre avec le public a été, je crois, aussi forte que celle avec le commandant. Bon, les commandants, il y a quatrième dimension quand même, parce que les enfants qui jouent des héros, puis d'un seul coup, ils ont rencontré Zorro, quoi. C'est... beaucoup plus de prévention chez les petits, les aider à bien grandir, parce que là on fait sécurité quand les gamins ils ont 17 ans maintenant, sécurité, il y a des gamins à 10 ans, c'est des vrais durs. C'est les responsables d'un centre culturel autonome indigène qui s'appelle Oventic. C'est vachement bien aussi parce qu'on va jouer dans la montagne et on va vraiment organiser des rencontres entre les enfants indiens et les enfants de la troupe. Il va y avoir un autre échange.